Wolff, Hamilton et Russell n'ont pas la voiture qu'ils méritent. Mercedes veut être à la hauteur de son duo de pilotes. Je pense qu'il a fait un excellent travail, mais on lui donne pas un outil pour se battre à l'avant où lui et Lewis méritent d'être. George a prouvé qu'il a la capacité de rouler en tête, mais en ce moment nous ne fournissons pas la voiture qu'il mérite, donc je suis très heureux de sa performance globale là. Chauvelin, directeur de Mercedes, de la performance de Mercedes, confirme qu'il sera pour le moment impossible de lutter contre les deux équipes de pointe. Nous savons qu'il y a un grand écart de performance entre nous, Red Bull et Ferrari. Et finalement, la cinquième place est le mieux que nous puissions faire pour le moment, et nous travaillons très dur pour essayer d'améliorer cette situation. Mais comme Wolff, Chauvelin loue le travail de Russell et ses collaborations avec Hamilton. Comment évaluer son week-end? Eh bien, n'est pas seulement sur la place qu'il occupe à l'arrivée. Il faut voir comment il se comporte pendant les séances, comment George et Lewis travaillent ensemble, ce qui se passe très bien pour l'instant. Ils sont tous les deux très déterminés à être au top de cette voiture et essayer d'apporter plus de performance aux futures courses. Il s'est vraiment très bien intégré à l'équipe, George. Donc nous avions de grandes attentes pour lui, il répond à ses attentes, nous sommes tous heureux. Ben voilà, tout est bien qui finit bien pour l'instant pour George. Mais écoutez, on va voir hein, si cette collaboration fructueuse entre lui et Mercedes et Hamilton se poursuit tout au long de la saison ou s'il y aura de la rivalité en piste. Ce qui est possible aussi si la voiture s'améliore et joue les victoires. Je vous laisse commenter, ciao.